accueille au Storm. Le coup d'envoi donné par la formation belge qui dispute, on rappelle, son tout premier match de Coupe d'Europe face à des Marseillais qui ont bien sûr l'ambition de retrouver cette phase de groupe de la Ligue Europa comme ça avait été le cas il y a un an et demi de cela. Avec la première intervention de David Rosenal, ça peut profiter à Dimitri Payet. Germain qui peut écarter vers Thauvin, dédoublement apporté par Maxime Lopez. Le centre pied droit de Florian Thauvin et Valère Germain qui inscrit déjà son premier but officiel sous les couleurs de l'Olympique de Marseille. Un délice de passe de Florian Thauvin pour Valère Germain et 1-0 pour l'Olympique de Marseille. Ça va être récupéré tout de même par l'ancien Monégasque. Germain avec Maxime Lopez en une touche pour Thauvin. S'accueille. Il est seul, Maxime Lopez. Toujours là pour apporter une solution lui aussi. Payet de l'intérieur du pied. Et il s'est bien étendu, Silvio Proto. La ligne défensive. Parti pour Berrier, c'est bien travaillé au second poteau. La tête penalty. De Patrice Evra. Penalty. Et penalty. Aïe, aïe, aïe. Ah oui, il y a faute. Il est poussé. Petit fait de M. Kalkavan. Siani, le contre-pied. Un but partout entre l'Olympique de Marseille. Et on stoppe pleinement relancé. Le bon appel de Payet. Ouais, le dos, le centre est bon aussi. Vers Germain. Germain qui pivote. L'arrêt, ça revient. Dans le pied de Morgan Sanson. 2-1 en faveur de l'Olympique de Marseille. Grâce à son numéro 8. Sur un nouveau superbe déplacement de Valère Germain. Bon, ça va prendre le bon ballon pour Germain. La remise pour Payet. Milic. Moussona. Il est passé Antonio Milic. Il peut s'appliquer sur son centre. Deuxième poteau. Oh, Rizayan qui avait été complètement oublié. Et Moussona, encore un décalage à droite pour Rizayan. Il va pouvoir s'appliquer sur son centre au deuxième poteau, c'est un peu long. Récupéré par Antonio Milic à l'entrée de la surface, oui, pas de hors-jeu pour Moussona. L'arrêt de Steve Mandanda. Incroyable. Décisif. Incroyable. Steve Mandanda face à l'international zimbabwéen. Avec Payet. On se retourne et Dimitri Payet trouvé de nouveau Maxime Lopez qui peut s'appliquer. Oh, là, là, oh Valère Germain. Oh, une touche. La spontanéité. Ouh. Et le talent de Valère Germain. 3-1 en faveur de l'Olympique de Marseille. Oh, il rayonne souvent, il excelle sur ses phases arrêtées. Dimitri Payet, c'est parti, c'est bien travaillé. L'arrêt de Proto. Quel ballon. La volonté de repartir de derrière, proprement de la part des Marseillais et de leur gardien avec le bon déplacement de Campos. Il n'y a pas de hors-jeu. L'accélération de Lucas Ocampos. La frappe derrière. Et c'est une nouvelle fois arrêté par Silvio Proto. Siani. Capon, une touche pour Zivkovic. Ça arrive dans les pieds de Moussona. Oh, il avait vu la position de Steve Mandanda. Et le voici, le deuxième but marqué par Ostende. L'inspiration de Nolej Moussona. 3-2. Toujours en faveur de l'Olympique de Marseille. À l'Olympique de Marseille, pour se remettre une nouvelle fois dans le bon sens. Payet. Départ de Valère Germain dans la surface de réparation. Germain. Oh, une touche et la barre transversale. Oh, et derrière sa file dans les gants de Silvio Proto. Le Brésilien qui va entrer en jeu pour l'instant. Effectivement, ils sont à 10. Les joueurs d'Ostende, le centre de Payet. C'est mal renvoyé plein axe dans les pieds de Germain. Il va enrouler. Il va enrouler. Valère Germain. Et il oblige Silvio Proto à l'horizontale. Si Cabella venait à rentrer, pourquoi pas dans ce trio du milieu de terrain, ça c'est un bon ballon seul. Le bon décalage avec Dimitri Payet qui est venu s'incorporer à Payet qui peut trouver Germain. Quel ballon de la part de Payet. Le triplé. Le triplé pour Valère Germain. Sur une merveille de passe de Dimitri Payet. La joie du Stade Vélodrome. L'Olympique de Marseille négocie